Au lever du jour, le Piton des Neiges offre un magnifique spectacle sur la route du volcan, un spectacle sans nuages. Il fait 5 degrés, un temps de saison. Dans la nuit, les herbes dans les prairies ont été comme figées par un léger givre. Mais ce froid n'inquiète pas les enfants. Emmitouflés dans des vêtements chauds, ils vont à l'école, à la petite ferme. Un pull, un t-shirt et une doudoune. Ben, une écharpe et un pull, des chaussettes et des baskets. Ah là, elle n'a pas grand-chose, il fait vraiment pas très froid ce matin pour nous. Ça va, ça fait bon. Je suis habituée, je bouge beaucoup. Ben, il commence. C'est la saison, on n'est ben, pas arrivé, mais il commence à faire froid. Combien de degrés t'es faisant pour être là? Là-haut, il faisait 6 degrés. À Notre-Dame. Mais bien Notre-Dame, là-haut. La météo est aussi une composante pour les travailleurs en plein air. Cyril est un agent en espace vert. Il taille les haies, tond les pelouses par tous les temps. Côté Mercure, ça va pour lui en ce moment. Seulement le début, il commence juste. Mais cette année, on dirait la feuille paumée. Hein. Ah oui, ben là déjà, pour commencer, il blanchit déjà. Pour en compte, mais t'as pas la neige va tomber. C'est comme ça. Dans le quartier Coin Tranquille, les Robert mettent les bouchées doubles. À 2 jours de la fête des mères. La baisse du mercure a quelque peu freiné la pousse des fleurs. Celles qui sont destinées à la vente sont restées à l'abri. On a de la chance là en ce moment, il y a un beau soleil, donc la journée, en s'activant vite, on se réchauffe le corps. L'horticultrice profite du beau temps et prépare ses pots pour les ventes du week-end. Suspension de pélargonium, grandiflorum, des potées, des twists géranium. Elles sont bien fleuries et juste prêtes pour être offertes en pleine couleur et en pleine santé. Le froid offre un joli spectacle dans les champs, un spectacle qui n'est pas au goût de tous, pas des agriculteurs. Le givre pourrait tout détruire dans les exploitations.